Dirijan, kon ba yon la, mwa gen red a proteste. Mwen chè nou vin la, vin supporte komite ASN nan, paske li pa posib kon administrasyon Michel Martelly patisipe nan dilapidasyon fè de 4,2 milyard de dola e ke Martelly sotil trez alèz, la machè nan diaspora, la jure moun antre nan moun li pa posib. Se pa imaj sa nou mè mwen kon Haïtien da avle lanse sou le plan internasyonal. Nou mal reprezentè pa Michel Martelly. Donc, je dis à la population haïtienne, nous solidaires avec lui, en Haïti, un peu partout à travers la capitale, qui a demandé réduction de compte. Il n'est pas possible 4,2 milliards de dollars qui étaient là pour aider le développement du pays. Et qu'on vous choisit délibérément, gaspiller l'argent, gagoter l'argent, et que vous n'avez pas de qui indexe le rapport, l'administration Martelly en décès la donne, pour sortir très à l'aise, un peu partout la marché, il n'est pas possible, je dis à nous, dans la diaspora, nous camper, nous disons c'est là, c'est là, nous ne pouvons pas prendre ça dans Michel Martelly. Faut qu'il rende compte. Faut qu'il rende compte d'Haïti. Nous, les partisans Martelly, notamment les partisans qui n'ont pas le monde, dans le Sénat, a critiqué le rapport Petro-Caribe. Nous avons rappelé que Joseph Lambert, qui est président du Sénat, nous avons demandé et que c'est considéré des comptes pour voir le rapport là. Donc, nous avons dit Martelly là, pour mal garder, parce que pour mal garder l'enjeu.